Allez, salut à tous, bienvenue sur Live. Aujourd'hui, on joue à Hello Nightbourg. Un voisin qui vous veut du bien, apparemment. J'ai la voix cassée, c'est normal. Je vais essayer de parler correctement. Découverte du jeu. Je ne connais absolument pas le jeu. J'ai vu un seul trailer, un seul gameplay de trailer. Donc, je ne sais pas de quoi il est question, à part que on doit se rendre chez notre voisin pour aller trouver ce qu'il cache dans son dans sa cave. Enfin, je vais y arriver. Alors je vais peut-être baisser un tant soit peu le son, sinon ça va être compliqué. Alors, ah, il y a des actes. D'accord, donc là tu m'apprends quelque chose. Contrôle. On peut pas changer les contrôles. C'est direct WASD. On met très bien. Il va falloir que je le mette en. Bon, déjà, je peux mettre du français, c'est bien. Cela vous permettra de rendre le voisin moins agressif. Il sera bien plus lent et avec les outils d'analyse désactivés. Non, non, désactive. Moi, je vais jouer normal. Connexion mélangeur. Ok. Donc, j'ai tout en ultra. Je suis content. Par contre, j'aurais bien aimé pouvoir changer les touches. Ça aurait été sympa. Il n'y a pas de paramètres de son, c'est sérieux? Ah, il n'y a pas de paramètres de son. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça et je vais aller dans le mixeur de volume. Je vais le mettre à moitié. Ouais, voilà, parce que sinon, ça va pas le faire. Fais voir au niveau du truc ce que ça donne. Ouais, là, ça devrait être. Ça devrait être assez correct. Allez, c'est parti. Découvrons ce jeu. Alors, je pense que j'ai marqué une nouvelle partie, oui. Ouais. Allez, let's go. Bon, apparemment, au plus tu joues, plus l'intelligence artificielle devient dangereuse. Parce qu'elle apprend de toi. Donc, je me chie un peu dessus. On va voir. On va voir. En plus, j'ai vu comme il te poursuit. C'est rigolo, quoi. Petit temps de chargement. Acte 1. Ça fait un drôle de bruit le ballon. Peut-être falloir que je baisse encore un peu le son, je pense. Vas-y Billy! Vas-y, cours Billy! Ah, c'est moi Billy! D'accord, alors je vais juste un tout petit peu baisser encore le son parce que je sens que ça va pas le faire. Alors, ok. Alors, tac, changement des touches. Très bien. Alors, ça, c'est sauter avec Billy. Oh, je vois mes pieds. Je vois mes genoux de collégien prépubère. Trop bien. Et je peux courir. Bon, déjà, au niveau du déplacement, c'est super. On est bien. On est bien, le goudron est super aussi. Je peux récupérer des objets ou pas? Prendre un vélo, tirer un vélo au voisin d'à côté. Ah, tiens, c'est quoi tout ça là? Ah, je peux pas y aller, merde. Je vais des affiches. Ah, ben il y en a plus bas, tiens. Oui! D'accord, ce saving c'est quoi? C'est des disparitions d'enfance, non? Ouais, j'imagine que ça doit être ça. Donc il y a quoi? Un garçon et une fille qui ont disparu apparemment. Parce qu'il y a des affiches partout. D'accord. Bon, ça commence à annoncer le ton du jeu. Est-ce que justement c'est pas le problème du truc? Les enfants ont disparu, donc on va voir. Oula! Lui il a raté la route, lui. D'accord, et carrément les s'encastrer dans la clôture. Je sais pas me servir de mes pieds. D'accord.
Tout va bien. Oh, c'est cri. Aïe, 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 aïe. Ah mais il m'a enfermé. Et il m'a enfermé moi aussi. Putain mais c'est ultra glauque quoi. Il s'est passé quoi? Je suis toujours le même petit garçon? Je crois que oui. D'accord, bon on va essayer de grimper en haut. Alors le but c'est quoi? C'est de pas se faire remarquer par le méchant monsieur? Ok, là il dort. Oula, oula, je pénètre dans la maison de... du grand méchant. Ok, là je peux pas y aller. Sa chambre est juste là. Putain, je peux pas passer. Comment je fais pour grimper en haut? Y a pas un escalier? Non. C'est pas par là. Putain, tu vas voir que la clé elle est dans sa chambre. Enfoiré quoi. Il est où? Il était là, il y a 5 minutes. Oh putain. Ah, comment je fais? Non. Putain. Je crois qu'il a été aussi surpris que moi. Comme il a fait, il avait. bon. Comment je fais pour attraper des trucs, moi? Ah, d'accord, eux. Eux, et pour les jeter, c'est comme ça. Ok. Ok, 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 ok. Et si je fais l'enfoiré, et que je fais... Ah, je peux grimper par là, en fait. Merde. Attends. C'est, j'ai vu faire ça dans une vidéo. Alors attends. Du coup je vais essayer de casser une de ces fenêtres. Aïe 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 aïe. Putain je crois qu'il m'a vu. Je crois qu'il m'a vu. Et du coup, comment il va faire pour reconstruire sa fenêtre? Qu'est-ce qu'il fait? C'est bon, je suis de l'autre côté de la route, calme-toi. On va attendre qu'il rentre. Par contre, je sais pas par où... Par où je peux trouver le l'escalier qui grimpe au premier étage. Je pense que ça doit être la porte fermée. Je crois que je sais où c'est. Je crois que c'est sur la petite table basse qu'il y a juste à droite quand tu rentres. Il est allé se coucher, je crois, ou s'asseoir. Pas dans cette pièce. Je crois que ça doit être par là.
D'accord, donc je peux me cacher, super. Je pense que c'est ça, il faut vraiment chercher la clé. Je sais pas pourquoi ça tremble. Salut Christopher, ça va? Bon, j'essaye d'échapper à mon voisin. J'essaye de trouver la clé pour monter au premier étage, mais ça va être compliqué, quoi. Et je me demande si je devrais pas, si je devrais pas grimper justement que par là, quoi. Putain, comment je fais pour grimper? On va essayer de faire le Yamakasi. Oh merde! Je suis tombé. Aïe 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 aïe. Oh merde, il m'a chopé. Putain. Infernal. Y a pas une autre entrée derrière ou quoi? Que je puisse passer peut-être? C'est quoi, c'est un mont de charge ça? Ah, ça va là-dedans. Y a rien du tout quoi. Ah, dès que ça tremble, il faut te cacher, d'accord. Ouais, c'est qu'il est proche, en fait. D'accord, donc là, je pourrais pas passer. Je me suis dit, on sait jamais. Oula. Ouais, en plus, il a l'air de te repérer assez vite, en fait. Ouais, non, il n'y a pas de jus, j'ai l'impression. Putain! Aïe! Putain, il est chiant! Après, je pense que tu découvres le jeu, du coup, je fais zéro spoil. Ouais, tais-toi, s'il te plaît. Ne me fais aucun spoil. Je vais découvrir par moi-même. J'espère arriver à trouver parce que... Putain, il est chiant. Il faudrait que j'apprenne à me servir des objets. Parfois, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à attraper les petits trucs. Alors... Si je fais ça, ça a pas marché. Et si je fais comme ça, là? Et merde! Putain, c'est super dur, en traître. C'est super, super chaud. Je vais y aller trop à la bourrin, alors qu'il faut y aller... faut y aller calme. En tout cas, j'aime bien le style graphique du jeu, c'est super sympa. Il fait des exercices. Oh merde! Putain, mais c'est pas vrai ça! Putain, je vais jamais y arriver quoi.
Ok, allez, tranquille, doucement là. Ok, t'es allé se coucher. Parce que là, voilà, il faut que j'arrive à rentrer là, mais... Mais impossible de trouver cette clé. Je vais finir par y arriver. Il a pas mis dans le frigo, on sait jamais. C'est au moment où tu ouvres le frigo, il y a une tête à l'intérieur. Tu dis ah non. Oh merde. Eh merde, putain, c'est pas vrai ça. Oula. Il s'est passé quoi là? Où est-ce que je suis? Hey. C'est quoi cette histoire? C'est normal là? Est-ce que c'est normal que ça se passe comme ça, quoi? Oula! Accident de voiture, peut-être sa femme qui est morte ou son gosse ou je sais pas. Ok, je peux pas passer. Exit. Attends, j'ai peut-être raté autre chose, non, du côté gauche. Dommage que t'as pas connu les anciennes versions, non. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors je vois une poupée. Ouais, j'imagine que ça doit être ça. D'accord, donc es-tu dans les hallucinations, pardon, du voisin, ouais, du Nightbourg. D'accord. C'est important, ça me semblerait logique de pouvoir grimper par là, tu vois. Si je peux pas obtenir la clé, je me vois bien grimper par là. Hein. Mais c'est... compliqué, on va dire. Je sais même pas si c'est jouable de pouvoir grimper par là. Putain, où est-ce qu'il m'a foutu la clé? En plus, j'aime bien parce que quand tu rentres, il y a des chaussures d'enfant et tout. Et vu qu'il habite tout seul. Ça sert à rien de te cacher. Et voilà, trop tard. je pense que la clé, elle doit être dans sa chambre, c'est pas possible. Oh, il est chiant. Ah vas-y, on profite, il fait ses exercices là. Exercice matinal. Allez, go dans sa chambre. T'es en plus, t'es petit, tu vois rien. D'accord, donc tu peux te cacher comme ça sous le lit. Putain, où est-ce qu'il a foutu cette clé quoi? Et ouais, j'imagine. J'imagine. Putain, c'est pas possible. Là, il va me capter, c'est sûr. Ah non. Même pas, même pas.
faut peut-être l'observer pour voir où il range la clé ou quoi, non? En plus, je l'ai vu poser la clé, hein, quelque part, sur une petite table basse. Putain, je suis pas fou quand même. C'est pas possible. Réfléchis, quoi. Ah, de souvenir, tout change de place quand tu te fais attraper. Oula! Encore pire, là. D'accord. Putain, mais la clé, quoi. Où est-ce qu'il a foutu la clé? Le truc qu'il y a, c'est qu'en plus t'es petit, donc tu vois absolument rien. Ouf. D'accord. Je peux lui envoyer des trucs dans la gueule. Ok. Pas possible. Après, les items restent là où tu les as laissés. Ouais, mais je veux bien, mais... Mais ça n'empêche pas que... La clé, elle a un truc. Elle est introuvable. Eh, ah putain, super dur. Comment je peux faire? Bon, j'imagine qu'il y a que dans cette maison. Alors, est-ce que la clé serait pas peut-être à l'extérieur ou... Est-ce qu'il y aurait pas un truc comme ça à récupérer dehors?
Y a pas un moyen de savoir comment faire, Christopher? Pour trouver la clé? Genre peut-être un petit indice ou quoi à me donner? Parce que là, je galère. Oh putain, les coussins qui volent. Pas sur l'étagère en haut ou quoi? Ça me paraît super bizarre. Oh putain! Bon, je devrais être bien caché là. Si tu peux pas passer par l'intérieur, passe par dehors. Ben ouais, c'est ce que j'essaye de me poser comme question. Mais le truc qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que toutes les entrées sont bouchées, tu vois. J'essaye de passer par là, j'y arrive pas. Ah, et si je... Putain, je suis trop con. Attends. Et si je fais ça... Que je fais ça... Et que je fais... Ah ! Que je fais ça. Fais voir. Je pense que c'est la solution, hein. Pourquoi il y a tous ces cartons? Je pense que ça doit être pour ça. Attends, on va essayer. Putain, d'accord, il y a une clé. Ah, merde! Est-ce que tu crois que je suis assez petit pour pouvoir passer là-dedans? Ouais, je suis sur la bonne voie, mais... Peut-être pas comme ça, il faut peut-être le faire autrement en fait. Peut-être que je passe différemment. Il y a assez de cartons à empiler. Alors si ça fonctionne comme ça. Ah putain. Bon, je peux pas passer comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, je pense que ça doit être juste empiler les cartons au fur et à mesure. C'est un quai bordel ce jeu. Putain, lui il est tombé, j'y crois pas. Non, tombe pas. Attends, y a pas un autre endroit peut-être mieux? Ah bah je suis con, attends, faut peut-être prendre les cartons et les mettre en haut là sur l'armoire. Tu vois ce que je veux dire, ça passera peut-être en haut. C'est peut-être le plus logique en fait. Putain, par contre c'est dur de pouvoir grimper. Allez, allez, allez. Yes! Je suis sur le toit! Wouh! Trop bien! C'est trop bien! Je fais quoi? Je cours, je saute? Allez, je cours, je saute. Yes! Ok. Ah, j'aurais dû prendre quelque chose avec moi pour casser la vitre, non? Ah, je peux pas filer de coups tel quel en fait. C'est dommage. C'est bien ça, mais je me limite quand même en indice. Ouais, ouais, limite-toi, ne dis rien. Ne dis rien, je pense que j'aurais dû prendre un truc avec moi. Un truc pour casser la vitre. Ah, poubelle! Oh, le fou furieux. Aïe. Oh le fou! Oh le fou furieux! Je sais pas s'il va monter jusqu'en haut. Ouais, apparemment tu peux garder plusieurs items dans les mains, j'ai vu. Genre 3 ou 4, je sais pas. D'accord, donc là je peux pas passer.
Donc ça, j'imagine que c'est ce qui doit filer du jus à... Ah d'accord, ça donne sur un mur. Bizarre. Super bizarre ça. Ouais, exact. D'accord, ok. Je vais prendre des livres alors, histoire de faire comme tu m'as dit. C'était peut-être pas par là qu'il fallait que je passe. Ah, du coup la plateforme a pu se lever, ça c'est bien ça. Donc on va la faire redescendre. Non? Ah! Putain, c'est bon, j'ai compris. Hi! Putain, je m'attendais pas à ce qu'elle remonte toute seule en fait la plateforme. Je suis dégoûté là. Je suis un peu deg. Putain, il faudrait que je remonte en haut pour la redescendre et... Pff, chaud quoi, chaud, chaud, chaud. D'accord, très bien. Rappel d'anniversaire, très bien. Là, on pourra pas monter plus là-dessus. Et j'imagine que de sauter de là à là... Et voilà, ils ont mis l'antenne exprès, ces chiens. Non, je me suis dit peut-être que... On casse l'antenne ou quoi. Putain, c'est dommage qu'on peut pas tourner l'antenne. Bon. Je vais essayer de prendre des cartons. Je sais pas si on peut les empiler les cartons pour grimper derrière là. Ah d'accord, ça c'est pour me ralentir. Le salaud. Ah je peux lui jeter des trucs à la gueule quand même. Merde. Si j'arrive à viser. Ah, je me suis dit, tu vois, il ramasse peut-être ses affaires, même pas. Même pas, même pas. Ouais, mais je vais remonter en haut, je vais le désactiver, peut-être que la plateforme va descendre. Alors là, attends, il est dans la voiture. Il a la tête qui est dans la voiture. C'est Nawak. Ah, j'ai eu peur qu'il soit bloqué dans la voiture. Ouais, il va falloir que je remonte. Et merde. Ouais, je remonte. Oh, ça, c'est lourd. C'est super lourd. Tac, 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 tac. Voilà. Non! Putain! Non, tu m'attraperas pas, bordel! Foiré, quoi. Ça marche. Ah, il est chiant. Ah ouais, complet, GG, le fail là. Putain, c'est super dur de pouvoir grimper en haut à chaque fois là. Oh, c'est une plaie, je te jure. On va y aller tranquille. Voilà, comme ça. Ah, du coup, j'entends la pièce qui. Je pense qu'il va falloir mettre des cartons dessus. Peut-être pour ralentir la progression du machin. Je vais attendre qu'il se tire. C'est bon, je suis plus là, je n'existe pas. Voilà, mettre plein de cartons ici.
Ça va peut-être freiner le tout. Je sais pas combien il faut en mettre. Enfin, à supposer que, bien sûr. Je sais pas, j'ai peut-être remplacé d'autres. Genre moins 5. Allez, encore une dernière. On va tester comme ça, c'est peut-être ça le délire. Ah! Mets-toi là, toi. Tac, voilà. Ah! Allez, on va attendre qu'il parte. Qui est con ce jeu alors? Oh non! Mon carton! Il est sérieux? Il a frappé dans mon carton, j'y crois pas. Putain, il cherche la merde, lui. Hein. Il cherche la merde. Putain, dégage. Casse ce bonbon. Je sais pas où il va là, mais. Je sais pas s'il y a autre chose à visiter dans la ville. Des endroits à découvrir ou. J'en ai aucune idée. Oh non! C'est sérieux quoi! Je sais pas d'où il m'a entendu ou quoi, mais. Oh là là, le relou. Voilà, rentre chez toi. Très bien, ferme la porte, merci. Non. Non, sérieux, sérieux. Tu vas me laisser monter, voilà. Pas me gonfler. Hein. Et des dessins d'enfants et tout. Là, j'ai été poussé. D'accord, donc les cartons n'y font absolument rien. Ça ne change que dalle. Bon, je suis mort, voilà. Ah oh là 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 là. C'est compliqué. Ok, un grenier. Ah, c'est pas mal ça. Rien d'autre? En train de creuser une tombe, bizarre. Oula! Ah! Bon, la plateforme est levée. Ah, mais je suis con! Il faut désactiver le bouton. Putain, je suis idiot. Je suis vraiment idiot. Bon, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Il faut faire ça comme ça. Ah, mais merde, il a réinitialisé les... Il a réinitialisé la majorité des cartons. Oh, le gros bof, quoi. Putain... Du coup, il me l'a volé, le carton? Non, mon carton, il y est plus. Oh, putain, la loose. Il est même pas tombé en bas ou quoi? Même pas. Oh, putain. Voilà.
Oh non. Il me faut un truc pour casser. Ah oh, la loose. Je vais finir par y arriver, hein, mais... Attends, y a pas de couvercle. Bon, on va prendre des poubelles ou je sais pas quoi. Voilà, tout ça. Voilà. Allez. Donc, on va aller activer le petit levier pour faire redescendre la plateforme. Et une fois qu'elle sera en bas, on réactivera le mécanisme pour pouvoir grimper avec. De toute façon, là, il va pouvoir rien nous faire. Voilà, donc là, la plateforme, elle descend. On va récupérer un livre. Hi ! C'est pas grave. Là, il fait le mec vexé. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est faire... Alors, j'espère que ça va bien se passer. Elle grimpe pas. Et voilà, en fait, je devrais la laisser comme ça. Activer le courant. Et il est là. Activer le courant et aller réactiver la manette. Voilà. C'est parce que je me suis trompé de base. Donc allez, la prochaine, c'est la bonne. On y croit. On y croit sur la prochaine. Voilà. Non, sérieux. Allez, oust. Dégage. Voilà, rentre à la maison. Ferme la porte, très bien. Voilà. Voilà, avant qu'il aille se coucher, essaie de vite grimper. C'est un jeu qui est exigeant quand même, hein. C'est peut-être pas difficile, mais il est exigeant. Donc, on active le courant. Ça fait du bruit, forcément. Normalement, comment ça se fait qu'elle est montée, hein? Elle devrait pas pouvoir monter. J'ai activé la manette, donc du coup... Ah là, je loupe quelque chose, là. C'est pas possible. Ah, chute. C'est que du coup, la manette a été remise en place. Voilà. Bah, il a l'air bloqué, on va en profiter. Espérant qu'il m'attrape pas. Voilà. Donc je disais maintenant, elle devrait pas monter. On va attendre qu'il parte. Non, alors en fait ça, c'est la coupure de courant, donc jusque là tout va bien. Putain, il faut que j'arrive à comprendre. Donc là j'arrête le courant. Putain, ça me rend fou. Ça me rend fou cette histoire là. Il y a un truc que je dois mal gérer. Mais quoi ? Être au niveau de l'électricité. Je sais même pas où il est là. Bizarre. Donc là, c'est sûrement pour faire monter, descendre le truc, la plateforme. Chut. Donc la plateforme. Ah, la plateforme est toujours en haut là, par contre. Je sais pas où il est. Ah, il est bloqué dans la voiture, très bien. Soit. Ah, ça change absolument rien.
Donc ça, c'est le courant. Donc c'est-à-dire... Alors attends, faut que je réfléchisse. Donc ça, c'est le courant. Il est en haut, il est activé. Donc je vais baisser la manette. La truc, elle va descendre. Ok, jusque là. Je désactive le courant. Je désactive le courant. Je vais appuyer sur la manette. Elle devrait pas monter. Et comme ça, je peux... Je peux utiliser... je peux utiliser le monte charge. Voilà. Donc là, elle descend. On est bon. Normalement, si tout va bien, puisque le courant est activé. Parfait. Je désactive le courant. Elle pourra pas bouger. C'est moche qu'il soit bloqué comme ça. Je crois que même le jeu, il en a marre de moi. Il a dit stop, c'est bon. L'IA, elle a dit c'est bon, merde quoi. Fais ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Alors. Voilà, donc maintenant, on réactive ça. Alors là, franchement, si elle monte, je pète une durite, hein, parce que... Ah, c'est pas normal. Franchement, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Comment ça se fait qu'elle grimpe, qu'elle puisse grimper? Eh merde. Non, oh, je m'en sors pas. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre avec les leviers. Putain, pourtant, j'ai désactivé l'électricité. À moins que ça corresponde pas avec ça. Mais bon, c'est louche. Putain, j'y crois pas, il m'a bloqué. Oh, il est chiant. À moins qu'il y ait une méthode beaucoup plus simple et que je la voie pas, mais... Ce qui me gêne en fait, c'est cette parabole à chaque fois. Je peux pas sauter en face. C'est le plus chiant. C'est vraiment le plus chiant. Donc là, elle va descendre. Jusque là, tout devrait aller bien. Je peux lui jeter des trucs sur la tête, il s'en fout. Donc ça, ok jusque là. Et je crois que ça a peut-être rien à voir. Hein. Ça a peut-être sûrement rien à voir. Putain, comment je peux faire ça? Là, ça va à l'intérieur. Cette clé, on peut pas... Y a pas de clé. Passer par là, c'est pas possible. Et ouais, il faudrait la clé... faudrait la clé à molette. Qui est là-bas. Mais la clé à molette, on peut pas la... On peut pas la récupérer. On peut pas la récupérer... Ah! Tac. Voilà, bouge plus le carton. T'as encore un, t'es sérieux? Oula, c'est bancal tout ça. Tout ça, c'est assez bancal. Donc, voilà où est la clé. Tu vois, ce qui m'énerve, c'est qu'on peut pas passer pour la récupérer. C'est... la porte est là. Comment je pourrais faire pour la... Si j'envoie quelque chose, non? Je sais même pas si c'est la bonne solution, en fait. Parce qu'il y a deux solutions qui s'offrent à moi. Mais les deux solutions me paraissent inaccessibles après, quoi.
Il y a toujours un truc qui me dit non, tu pourras pas. Bon, ça c'est pas bon. Ça marchera pas. En termes de commande. Donc E attraper, tac, lancer, ok. Ouais non, y a rien de plus. Puis on est trop gros. Putain, je me serais envoyé comme ça pour. Putain, c'est dommage qu'on puisse pas le faire, quoi. C'est un peu stupide. Ouais, non, il est toujours bloqué là-bas, c'est rigolo. C'est rigolo. Bon, bah, on va mettre les cartons comme ça, et puis on va... Ça marche pas. Ah. Je crois qu'il faut juste que j'appuie une seule fois dessus, voilà, pour le poser. Parce que sinon, ça va pas marcher. Voilà. Ça, c'est une blague, quoi. Physique, physique, physique. Oh, salut Lardine, ça va? Bon, j'espère que ça va pas bouger. Ah, si les cartons ils tombent, mais comme je pleure. Non! Je suis parti en l'air, merde. Oh non. Bon, attends, réfléchis, fais le système de la pyramide. Ne sois pas idiot. Voilà. Fais comme tous tes ancêtres l'ont fait avant toi. Je suis pas égyptien, mais... voilà. Bâtis quelque chose de plus grand que toi. Et merde, l'autre. Oh non. Putain, j'en ai marre. Ah. Putain, comment je vais faire pour monter, quoi? Je joue à Hello Nightboard, mec. J'ai un voisin capricieux qui veut pas que je rentre chez lui. Et moi, c'est tout l'inverse. J'essaye de tout faire pour rentrer chez lui. Putain. Voilà, bouge plus. Ne bouge pas. Et mais tu vois, le truc, c'est qu'il est bloqué dans la voiture, là. Donc ça va, je suis tranquille. C'est pas normalement comme ça qu'on monte chez lui? Ben non. Ça a pas l'air d'être comme ça. Bon, on a bien trouvé une solution, hein, mais... Alors par contre, pas de spoil s'il vous plaît, j'ai pas fini le jeu. Ouais, donc donc s'il vous plaît, commencez pas à faire les sauvages. Je sais que c'est un stream de hors d'eux ici, quoi, mais pas de sauvages. Allez, on y croit. Putain, tu vas voir que je vais monter la... Je vais monter la truc, la plateforme. Et tous mes cartons, ils vont partir encore. Ça va être nawak. Ah, putain, arrête de me lancer tes merdes, là. Et voilà. Voilà. Putain, ça devrait pas être aussi dur que ça. C'est pas normal. Putain, cette porte qui s'ouvre pas aussi, là. Hein. J'en ai marre. Ah, mais attends. Mais putain, je suis con. Pourquoi je me sers pas de ça pour gagner de la hauteur? Et si je passe de l'autre côté, y a pas un truc à faire? Non, on pourra pas. On pourra pas. Et si je monte comme ça? Non! T'envole pas, fauteuil! Putain. Je suis une quiche. J'essaye tout, toutes les possibilités. Là, j'ai grugé le jeu, hein, mais... normalement, ça devrait pas être comme ça. J'aurais dû me faire choper 20 fois en plus que ça, quoi. Alors... Hop, hop. Tu peux le faire, tu peux y arriver. Je suis sur le carton là, ouais, je suis sur le carton, c'est bon. Alors, donc je disais. Pose là. Elle m'y va tomber, non, si je me lève.
Tu vois, si j'arrive à grimper. Voilà, sur ça. Et ouais, mais non. Et ouais, mais non. Bon, très bien, soit. Alors du coup, la plateforme est montée. Ça m'a cassé ma pyramide. Je suis très triste. Tac. Donc. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Non! Putain, oh, t'appuies juste. En fait, t'appuies juste une fois, ça le pose. Et si tu maintiens un peu trop longtemps, ça pousse tout. C'est. Ah, c'est infernal. Faut juste. Tac, mettre un tout petit coup. Oh, putain, le jeu, il abuse. Il abuse. Voilà. Putain, maintenant, je me chie dessus à chaque fois que je pose le carton. Non, non, tu tombes pas. J'hallucine. J'y arriverai jamais jusque là-haut comme ça, c'est pas possible. Faut être totalement fou. Et voilà. Bon, j'abandonne. J'abandonne cette idée, elle est complètement stupide. Voilà. Je le dis haut et fort. Et si j'arrivais seulement à monter sur ce toit là, sur cette partie du toit, bordel. Ça pourrait être beaucoup mieux. Fais voir, peut-être que si j'arrive à me faire bugger et à sauter comme ça, ça peut marcher. Fais voir. Oui! Ah merde, ça. C'est le truc qui sert de levier. Ah, attends, peut-être pas comme ça. Comme ça. Tac. On va prendre le carton. Ah, je te jure que si j'arrive à sauter, ça serait trop beau, quoi. Fais voir. Tac. J'ai jeté où le carton? Le carton a disparu totalement. Ah, bah il est là. Attends, je vais me mettre là-dessus. Non, ça marche pas. Je voulais m'en servir comme de levier, mais bon. D'accord, je l'ai carrément. Oui. C'est nawak. Vraiment. Vraiment, c'est nawak. Et si je grimpe un peu par là, d'accord. Ah non, mais si, franchement, si tu vois une solution, t'hésites pas, hein, parce que moi, là, je suis paumé. Ouais, non, il veut pas. Il veut pas se mettre comme ça. Bon, ça me saoule. Fais voir, je vais mettre recommencer, parce que j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Ça va pas. Ça va pas du tout, là. Donc... Ah ben c'est bien, il a gardé mon carton en haut. D'accord, donc recommencer pour lui, c'est juste revenir au point de spawn en fait. Très bien, soit. Alors, est-ce que... Fait chier. Est-ce que si je prends le canapé et que je le mets... Putain mais il le fait exprès hein. Si je prends le canapé et que je le place sur la plateforme, est-ce que celle-ci va réellement se lever? C'est ma question. On va tester ça. Là, j'en suis au point où je teste tout. Putain, heureusement que j'ai la poubelle parce que... J'ai dit heureusement que j'ai la poubelle. Voilà. Donc là, la plateforme descend. Je comprends pas pourquoi le mec aussi il a un mur chez lui, tu vois, qui est fermé comme ça. C'est assez drôle. Ah, mais ça, c'est peut-être l'antenne. C'est peut-être l'antenne à faire tourner. Ah, c'est pour ça qu'il y avait le fauteuil et tout. Oh, ça, je peux pas le prendre, ça. Non, putain, pourquoi j'ai fait le con.
Attends. Oh ah. Pourquoi je l'ai pas vu avant? Ah. Ok, donc attends. Déjà, au moins on n'aura plus à chaque fois à passer par... par tout ça, quoi. Mais là, ce qui m'énerve, c'est que je peux pas passer là. Parce qu'il y a ça. Tu vois, il y a le... Il y a la parabole. Et la parabole, il faudrait que j'arrive à la faire tourner. Qu'est-ce qui contrôle la parabole ? Pourquoi se compliquer la vie alors qu'il y a plus simple? Non mais attends, on n'a pas fini là. Hein. Ah mais je peux aller en face aussi. C'est quoi, c'est ma maison ça? Je suis jamais rentré là-dedans. Oula. Attends, le décorateur d'intérieur, il kiffe le bleu. Ok. Et en face, pas d'objet, rien à trouver. Family, trop bien. Tu sais, on dirait des Mii de Wii U. Il y a une bougie. Bougie. Armoire. Bon, il y a rien de spécial. Je me suis dit, on va peut-être trouver quelque chose, mais non. Ah, je prends tous les objets possibles inimaginables. Oh, par contre, l'intelligence artificielle, il y a des fois où elle est complètement à l'ouest, quoi. Et tu vois, elle fait un peu nawak. Je sais pas si ça va le faire, là. Il est un peu trop proche. Ah, je suis con, il m'a vu par la fenêtre. Ok, il est allé dans sa chambre pour dormir, très bien. Donc. Là, on va voir si la plateforme, elle est levée ou pas. Donc là, elle est levée. Ah, d'accord. Oui. Eh ouais, mon pote. Comme moi tout à l'heure. Oh. Bon. Je me suis dit peut-être que... Mais non. Ah, j'ai pas eu le temps de la... Il est en train de dormir, j'entends du ronfler. Ah bah tu le sais très bien, Lard Green, hein. Tous les jeux que tu vois ici sont des jeux pourris. Hein, hein. Tu le sais, c'est acté maintenant. Et le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, il faut pouvoir trouver ce qu'il cache chez lui. Et ça, c'est le... Mais en fait, l'IA la prend pour de bon. Avant, elle montait pas sur le toit, l'IA. Maintenant, c'est vraiment le cas. Putain, il va falloir que je me serve du fauteuil, je pense. Alors, voilà. Moi, je fais l'enfoiré, pourra pas passer. Ah mais il a déjà commencé à reconstruire, t'es sérieux? Non, c'est pas vrai quoi. J'hallucine. Mais... Ah, voilà. Je peux pas passer par une, je passe par l'autre. Alors attends, tac. Non mais celui-là est bien, mais le truc qu'il y a, c'est qu'il faut que j'arrive à résoudre l'énigme.
faut que j'arrive à trouver comment faire pour utiliser cette plateforme. Et c'est le plus compliqué, quoi. Bon, ça marche pas en faisant ça. J'arrive pas à saisir. Peut-être que si je prends bien l'appui... Oh ! Putain, sur quoi je... Putain, j'ai grimpé sur un truc, je sais pas ce que c'était, mais... Tu vois, là, je désactive un courant. Ah, je pourrais pas passer par là, j'ai fermé comme un abruti. Allez, dégage. Le mec qui passe sa vie à reconstruire ses fenêtres. Et ouais, là du coup, vu que j'ai fait l'idiot, j'aurais pas dû le fermer. Ça m'apprendra. Crah ! À la base, dans la cinématique du début, tu vois le mec qui pose la clé de sa porte sur une table basse. Cette table basse, je ne sais pas où elle se trouve. Ça me rend fou. Ah, et si la table basse, elle était dans la maison d'en face? Non, quand même pas. Ça serait pas le délire. Puis quel intérêt de placer des objets chez ses voisins comme ça? Non, je pense pas. Là j'ai lu. À moins qu'il y ait d'autres maisons dans le coin, mais non, je pense pas que... Je suis dessus. Ah, putain, ce carton, il faudrait que j'en mette un beaucoup plus haut. Parce que là, à chaque fois, il me fait défaut, ce carton. Voilà. Ça liste au pays des merveilles ou quoi? Une table qui fait la taille d'un humain. Non, mais c'est chute. Je suis petit. Je suis un enfant. C'est pour ça que je fais la taille, la petite taille. En fait, si tu veux, t'es un petit gosse qui est en train de jouer au ballon. Et quand tu tombes en face de la maison de ton voisin, tu le vois qui est en train, enfin, tu le vois qui est en train de faire quelque chose, tu sais pas quoi. Et t'entends des bruits. T'entends quelqu'un qui hurle, quoi. Et tu sais pas ce qui se passe, tu vois le voisin qui enferme cette chose dans un sac et qu'il jette dans une pièce fermée à clé chez lui. Et voilà, et toi du coup il te prend et il te dégage de sa maison. Donc tu sais pas ce que c'est, tu sais pas s'il y a eu un meurtre, tu sais rien. C'est ça qui est super prenant et qui te donne envie, si tu veux, de... Ah putain, d'aller plus loin. Faut que je trouve le moyen de baisser. De baisser ça là. Putain, ça me rend fou. Oh. Si j'arrive à baisser là. Et si j'allais voir du côté de la télé, hein. Peut-être qu'il y a un bouton pour tourner la parabole ou quoi. Alors la télé était positionnée là, on voit encore les antennes, hein, qui flottent dans le vide. Non, y'a rien. Non, je suis mort. Je vois pas, franchement. Tiens, connard voisin, mon magnétoscope. Ouais, il faut vraiment que j'arrive à trouver le moyen de tourner la parabole. Je sais même pas si c'est jouable, en fait. Ça me paraît très logique de pouvoir le faire, quoi. Mais... Ouais, faut peut-être que j'utilise ça. Je sais pas. Je sais pas comment il était placé à la base. C'est quoi? C'est des boutons, ça? Ou... Ouais,
il m'a entendu. Ah d'accord, lui il casse les... Ça c'est quand il se rapproche trop de moi. Mec, il casse les portes chez lui tout seul. Ah merde! Bon, ça c'est fait. Putain, en fait, tu passes 3 heures à chercher la bonne et vraie solution. Il doit y en avoir une, hein, mais. Bon, ça passera pas comme ça. Ah, je suis un enfant qui est en train de se balader avec un canapé dans les mains. Hein. Tout va bien. Cache-toi, cache-toi. Ah, je crois qu'il m'a vu. Ah, la pièce du haut, quoi, mais je... J'ai tellement hâte de rentrer et voir ce qu'il y a dedans. Quoi cette espèce de gros câble qui parle jusqu'à la pièce d'à côté, il y a un truc. D'accord, j'ai pas compris. Il s'est passé un truc là, j'ai pas saisi. Je me suis pris de l'eau. D'accord, j'ai renversé un seau d'eau. Je savais pas que c'était possible. Je me suis dit peut-être que ça tourne l'antenne, on sait jamais. J'ai été stupide de le penser. Non, ça c'est pas ça, c'est juste pour ouvrir la porte. Ce jeu codé avec le cul, ouais, mais c'est Tiny Build. Ils sont pas connus pour être non plus un très très grand studio, quoi, mais... Putain, je l'ai vu re-rentrer. Ah ! J'essaye de sauter et... D'accord, tu peux le gruger comme ça aussi, ça marche. Je savais pas. Ok, ok. Le truc qui est, ce qui devient de plus en plus hargneux et te suit partout. Alors tout à l'heure, j'ai réussi à gruger un peu, mais... Mais non. Ça, c'est dommage qu'on peut pas le soulever, tout ça, là. Ok. Tu lui as tiré dessus, ça a pas fonctionné. Mais si à chaque fois tu changes de fenêtre, ça va pas le faire. Ah, ça marchera pas.
Hein, si quelqu'un a une solution, sans spoiler, je suis preneur. Vas-y, fais encore plus de bruit. Tu vois, je me demande si le canapé, justement, sert pas. Ah! M'en fous. Ah, même avec le canapé, il grimpe. Putain, je commence à être au bout de ma vie, quoi. Ah, non! Putain de merde! Oh, apparemment, c'est jouable, mais bon. Ah, je pense pas que ça soit comme ça. Là, c'est essayer de gruger et... Il doit y avoir une solution beaucoup plus simple que ça. C'est dommage qu'on puisse pas prendre ça. Tu peux prendre un canapé, mais ça, tu peux pas le prendre. Ça aurait fait un pont. Il y a peut-être moyen de faire un pont avec quelque chose, hein, mais... Ah, ça passe pas. Est-ce que ça serait pas dans sa chambre que par le tuyau Parce que j'aimerais bien savoir où est reliée l'antenne. Je sais même pas s'il y a une antenne pour le câble en fait, c'est ce que je me demande. Ça me paraît tellement logique le truc de l'autre côté. À moins que je place des cartons là au fur et à mesure, mais ça fonctionnera pas. Ah, ça peut pas. Là, il me faut la clé pour pouvoir accéder en haut. Je me suis dit peut-être que la planche elle va tomber, mais non. Raté. Ah, tes cartons te hantent. Ben ouais, mais il n'y a pas que les cartons qui me hantent là pour le coup. C'est général quoi, c'est... Il y a beaucoup de choses qui me hantent là. Le mec, tous ces canapés, ils sont à l'extérieur, tu sais. Que même si tu places des trucs lourds dessus, ça change rien. Donc c'est ce qui me gonfle un peu. Ou alors peut-être parce qu'il y a justement pas assez de poids dessus. C'est pas improbable. C'est pas improbable, mais bon.
Non, je l'ai entendu se mettre. Ouais, il m'a envoyé carrément le canapé à l'ouest, quoi. Oh, comme il m'a esquivé. Oh, c'est pas possible là. Ah, je peux plus passer. J'ai de redescendre en bas. Donc là, tu vois, en désactivant le courant. Alors, est-ce que c'est le courant de toute la maison? Ou est-ce que c'est le courant de la plateforme? Normalement, si c'est le courant de toute la maison, ça devrait faire la même. Tu vois, là, elle devrait pas bouger, là. Ah! Franchement, ça m'énerve, j'arrive pas à... T'imagines, ça fait 1h25 que je tourne, je viens... Qu'est-ce que je pourrais bien utiliser pour grimper? Ça me paraît surréaliste. Ben oui, c'est ça, c'est... L'IA va pas plus loin, ouais, c'est... Ben il protège sa propriété, pas plus. Putain, le mec fait ses exercices dans le couloir, quoi. Enfin, t'as pas de vie ou... Crac ! Tu vois, faut que j'arrive à passer derrière ça, là. Mais bon. Ça m'est clairement impossible d'activer le truc, redescendre, reprendre la plateforme. Si encore il y avait quelques secondes d'intervalle. Mais c'est pas le cas du tout. Putain, je suis en PLS là. Ça me gonfle. J'arrive pas à saisir. Chut, calme-toi. Détends-toi. J'arrive pas à saisir pourquoi. Comment. En plus, y a pas de meubles, y a pas d'échelle ou quoi que ce soit. Pause. Ouais, juste pause. C'est faisable de poser. N'importe quoi.
faire chier. Je sais pas où il va là. Ma foi. Ça fait chier, je peux plus passer comme ça sur le toit. Casse les burnes. Allez, chope-moi, vas-y. Pourquoi? Attends, je suis même pas chez toi là. Non, sérieux, j'étais même pas chez lui. Eh, je pense pas que le tableau fonctionne aussi, quoi. Quoi? Ah non, là il a complètement bugué le jeu. C'est bon quoi. Oh putain, en plus j'y ai pensé. J'y ai pensé à ce putain de tableau de merde. Putain, l'Art Green qui m'a spoilé quoi. Putain, franchement j'y ai pensé au plus à ça quoi. Je me suis dit, voilà, le tableau en plein milieu, là. Ah, putain, ça m'énerve que tu m'aies spoilé. Franchement, j'aurais voulu le trouver tout seul, quoi. Là, j'ai un peu les glandes, là. Eh, merde. Putain. La rage. Ouais, non, je sais, mais ça me fait chier, parce qu'en plus, tu sais pourquoi? Parce que vraiment, j'y ai pensé, au tableau. J'y ai pensé tout à l'heure, j'ai appuyé dessus, ça a pas marché. Ça m'a énervé en fait, tu vois. Crap, putain. Ouais, bon, il va me choper, vas-y. Pourquoi je peux plus bouger là? Voilà. Du coup, la clé me sert pas à grand chose là. Bah, franchement, je pense qu'à force de grimper, de faire les trucs et tout, j'aurais trouvé. Mais bon. Mais voilà, je pense que c'est ça le truc. Je l'entends se lever. Hein. Et là, je peux pas passer là. Non, je peux pas passer. Tu vois, des fois, il y a des trucs. Hein. Mais. Oui, mais je sais. Si, la clé sert à rien, on a ouvert déjà la porte en haut. Alors, c'est celle que j'ai dans les mains qui va servir à... À comment ça s'appelle, à ouvrir la pièce du bas, là. Allô? Putain, comment je fais? C'est normal que je puisse pas ouvrir la porte alors que j'ai la clé. Et alors, tu vois? Ah, pourtant, ça me semble... Moi, ça soit à la porte en haut ou quoi, mais... Ah, c'est la clé de la voiture. D'accord, donc c'est la clé de la voiture. J'avais pas compris ça. Ok. Attends, en plus, il y a les éléments au-dessus. Ok, clé de la voiture, donc ça doit être la clé du coffre. Voilà.
Ah, et on va pouvoir changer l'antenne de place. Oh le bordel! Oh ce bordel! Non! Attends. Soit ça, soit autre chose derrière. Ah! C'est bon, j'ai compris, je sais, je sais, je sais, je sais. Il va falloir choper la... Ah putain, ça y est. Et heureusement que la situation s'est débloquée parce que... Ça, on s'en fout. Voilà. On va mettre les cartons là. Mais tu le connais toi déjà le jeu, tu l'as fini? Ah! Putain, enfoiré quoi. Voilà, comme ça. Ah! Mais... Ah, il faut vraiment que je prenne un dernier carton. C'est, franchement, la physique des fois, tu as envie de hurler, quoi, quand ça te fait ça. Non, casse-toi, bordel! Oh! Putain, il est complètement chiant, quoi. Putain, tous mes cartons, là, ils étaient bien mis. Voilà. Alors. Donc ça ne marche pas, c'est pas ça. Alors est-ce que ça serait ça? Non, c'est pas ça. C'est important, ça me semblait évident ça aussi, hein, mais bon. Bon par contre, no spoil les mecs maintenant. Parce que déjà le premier... T'es costaud quoi. Mais non, le truc à côté de la clé, j'ai pas même... Putain, il va encore revenir me faire chier. Alors déjà, j'ai obtenu une pelle. Alors peut-être que dans le jardin, il y a un truc à creuser. Je sais pas. Ah non. Salut. Salut M. Grant. Enfin, sur l'étagère, il y a un truc bizarre. On dirait un crochet ou quoi, je sais pas. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à récupérer. Bah, ça réagit, ouais, il y a une... Il y a l'appel. Mais attends, c'est bien une pelle que j'ai récupérée tout à l'heure, non? Je suis pas fou, quand même. Alors non, c'est pas une pelle, c'est le... Fais voir, il est où? C'est ça, là. Ça, je peux pas m'en servir, j'ai l'impression. On dirait que je vais pour l'assassiner, là. Euh...
Certainement, et pied de biche, ouais, pied de biche, ça va, oui, ok, mais le pied de biche sert à quoi? C'est c'est la question. Ah, à mon avis, sûrement à casser les fenêtres quand il a clouté, c'est peut-être ça le truc. Et tu vois, pour moi, là, ça me paraît très normal de pouvoir descendre l'antenne comme ça, là, ça, là. Alors, est-ce qu'on peut pas s'en servir sur ça? Non, on peut pas s'en servir sur ça. Là, il me faut la clé. Donc, c'est pas possible. Eh non, j'ai pas récupéré la clé à molette. Et j'y arrive pas. Alors là, il y a un crochet aussi. Enfin, ce qui, on dirait, est un crochet. Ah putain, c'est bon, je sais, chut. On va essayer ça comme ça, je sais pas si ça a marché. Yes! C'est bon. Parfait. Parfait. On avance. Alors, du coup, on fait ça avec. Excellent! Ah ben voilà! Ok. Oh, on est dans une chambre d'enfant fermée à clé. Ok, good. Oh! Un remix cube. La clé en question, on va lâcher le skateboard. Putain, par contre, des fois, pour attraper les objets, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Je peux pas... D'accord. Ok. Pied de biche, on va le garder quand même. Bon courage pour cette partie-là. Ok, merci. Hop. Oh. Putain, j'y crois pas. Oh, chaise. Putain, j'y crois pas, il fait ses exercices. Mais... Y a un problème en fait avec la touche E, c'est pas possible. Quand t'essayes de choper des objets ou de mettre les clés dans les portes ou quoi, des fois je trouve que c'est pas fastoche. Tu te rates assez souvent. Allez, go. Ah! Eh ben voilà! On y est arrivé! Et oui! Mais en fait, c'est un jeu d'énigmes, enfin, de un peu énigme casse-tête. Je voyais absolument pas ça comme ça. Hein. Le jeu, pour moi, dans ma tête, était super différent. C'était un truc à génération aléatoire qui comment ça s'appelle, se remet à chaque partie. Je suis assez confus sur ça. Oula, d'accord. Putain, mais c'est un agent secret le mec ou quoi? Wouah! Oh, comme c'est chelou ça! Tu sais que je suis en train de te spoiler tout le jeu en fait. Hein. T'es sûr? D'accord.
Le jeu était bien différent avant la version finale. Là, on est en version finale ou... Bon, je pense que depuis le temps, ouais, quand même. Est-ce qu'il y aurait quelque chose derrière une fenêtre? Ah! Eh ben voilà. D'accord. C'est chelou, hein. Ouais, c'est super bizarre. Ok. Ah merde, j'ai arrêté le courant. Voilà. Ha! Le truc de la quatrième dimension. Yes, what is it? My name is Ellison. This is Harry Jarvis. We're from the Morning Chronicle. I wonder if we could come in for a minute. Well, I am rather busy. Now he's gonna move like the rather one with the record. Ok. D'accord, c'est la version finale, tant mieux. Et on a la vraie révélation à la fin, parce que j'ai vu des commentaires négatifs qui disaient ouais, c'est un peu de la merde, tout ça pour ça. Au final, on a pas de réponse réellement. Donc. Bienvenue dans la tour de la terreur. Ça, du coup, ouais, voilà, ça me permet d'ouvrir. Ok, au moins toutes les pièces sont ouvertes là. Putain, le ballon me gêne. Ah, ça, c'est bien ça. Ouais, j'avoue que c'est un peu illogique comme habitation, on est bien d'accord. Ah ouais, non, spoil rien, mec. C'est franchement, tu spoil, je te tue, quoi. Oula. En mauvais état, ça. Y'a pas moyen de passer là? Tout est fermé. Oh putain. Je suis dit, on sait jamais, peut-être que. Ouf! Ah, c'est des Legos, c'est pas possible! Putain, j'ai fait un trou. Ah, on pourra pas passer. Et ce fameux câble, il va jusqu'où? Il grimpe au-dessus, on dirait. Pour ton spoil, ça mérite un quoi? Un Théo de 20 secondes. Je sais pas ce que c'est un Théo de 20 secondes. Oula. Ces arbres. Putain, ouais, bon courage, j'avoue. Je comprends mieux pourquoi. Putain, c'est le bordel. Ah, time out, d'accord. Ça, c'était pour la grille.
Mythe, on s'en fout. Ah, voilà, c'est peut-être ça qu'il faut arrêter. Notre câble qui part derrière dans le mur. Ouais, je pense que c'était peut-être ça. Ouais, c'est bon. Là, je sais pas ce que j'ai activé, mais... Ah, je vois marqué exit de l'autre côté. Ouais, il doit bien avoir moyen de... Ça, je sais pas ce que c'est. J'ai activé ça, mais je sais pas ce que c'est. Si je le réactive, il va venir me fermer la porte. Ah, mais si je le rallume, la porte, elle va se fermer. À moins que je la bloque avec quelque chose. Mais je pense pas que ça marche comme ça. Je pense pas que ça soit... Je sais pas, je vais mettre une chaise. Et à mon avis, elle va bouger, la chaise. Voilà. Allez, j'essaye de rallumer. Tiens, ça, je suis pas passé par là, ça. Putain, je me perds un peu. Est-ce que ça serait par là? Ouais. Donc le courant étant rallumé. On retourne là-bas. Et voilà, ouais. La chaise a servi strictement à rien, mon billet. Bon. Tu t'en fous, t'appuyer sur le bouton. Bah non, justement, tu vois bien que du coup la porte s'est refermée. Ah, mais je suis con, il faut passer par la grille là-bas. Nya, bah oui. Nya. C'est ça que j'aurais dû faire, je pense. Ah ben non. Je suis passé par là tout à l'heure. Non, je suis pas passé par là tout à l'heure. Ah voilà, parfait. On est au bon endroit. Et voilà. Du coup, good. Exit. Ah. D'un coup, comme ça, l'arrache. Ah non, il va me violer. Non, les clés. Non. Merde. Ah putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Non. Téléphone, non? Ok, donc là, je suis enfermé chez lui. Je peux pas sortir. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai plus de lampe torche, j'ai rien. J'ai horreur des guêpes et abeilles. Je vois pas le rapport. Ok.
Ok, il m'a refoutu là-dedans. Alors comment ça se fait que je suis libéré comme ça d'un coup? Putain, ce gamin, c'est Sam Fisher. Comment s'appelle Solid Snake? Colonel. Oh, trop de lumière, tu la lumière. Colonel, je suis dans la base ennemie. Snake, attention, il y a une échelle sur ta droite. Il faut que tu puisses grimper avec. Colonel, je sais pas monter une échelle. Utilise le joystick haut pour monter, Snake. Voyons. Ah d'accord, j'allais dire qu'est-ce que c'est. Mais je suis à l'extérieur. Putain, c'est quoi cette construction de malade? Ah mais je peux même plus sortir de chez lui maintenant quoi. Voilà. Ah merde. Putain le truc de ouf. Heureux. Ouais, il a refait sa maison, il a mis des. Il a mis des barricades tout autour, c'est nawak. Et ils ont abusé là. Ils ont vraiment beaucoup abusé. Ah, il va m'attraper. Ah. J'aime bien les trucs de la quatrième dimension derrière, ça me fait bien sourire. Ah! Mais tu vois, c'est ça, parfois il y a des bugs comme ça, tu sais pas de. Petit synopsis sur la situation. Petit synopsis sur la situation, c'est que tiens, on a changé d'heure de la journée. Bizarre. C'est que on joue un enfant qui, en jouant au ballon à côté de chez son voisin, tombe sur lui, en train apparemment de s'occuper de quelqu'un ou de quelque chose qui hurle à la mort. Et nous, malheureusement, bah, en tant qu'enfant, on tombe dessus sans le vouloir. Et le voisin va nous capter, il va nous dégager de sa maison. Et le gros souci, c'est que bah, nous, vu qu'on est un gros curieux, on va aller jusqu'au bout, on va essayer de rentrer chez lui et de chercher ce qu'il cache. Mais là, je suis surpris parce que du coup, on se retrouve à ressortir dans une maison qui est barricadée. Enfin, c'est n'importe quoi. Le scénario du jeu, il abuse. Il abuse. Bon, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça. Ah, tout est bloqué. J'ai l'impression que toutes les portes sont fermées chez lui. Faut peut-être réussir à ouvrir les vannes. Voilà. Ah, ce jeu va me poser des soucis. Ah non, moi je veux rien savoir, hein. Commence pas à spoiler. Dis rien sur ça. Et je sais pas, moi aussi je comprends pas. Je t'avouerai que je saisis pas. J'aurais voulu te donner plus de précision sur la chose, mais je ne connais pas. Et puis c'est pareil, t'as vu ça quoi? Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon. Les amis, par contre, il est 1h25. Là, j'ai toujours pas mangé et je dois me préparer. Je dois aller sortir. Je dois faire un truc. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais sauvegarder. Sur ce, merci de m'avoir suivi. Merci aux nouveaux que je ne connais pas. Lard Green, merci de m'avoir spoilé, mais bon, au final, ça m'a quand même aidé.
Parce que sinon, je pense que j'aurais tourné, j'aurais viré, j'aurais peut-être pas trouvé. Et puis voilà, Christopher, merci beaucoup d'être toujours là. Sur ce, passez une bonne après-midi, les gens. Et puis, puis je pense que ce soir, quand je reviens, on se reverra, assurément. Je pense que je vais commencer. Alors, soit je vais continuer Hello Nightboar, soit je vais me frapper Dark, que j'ai acheté, qui est un jeu de vampire à la mort moelle-neuve, là. Donc il faut que je voie ce que ça donne. Ça fait depuis trop longtemps que il faut que j'y joue. Voilà. Bon allez, sur ce, ciao, à ce soir.